Je suis allée voir son atelier et j'avais envie de découvrir exactement ce qui se passait là. C'est à la fois expressionniste, mi-figuratif, mi-abstrait. Un art où on place des objets, où on déchire des morceaux de toile, où on est un peu instinctif et intuitif dans la construction du tableau. Quelque part, on se demande d'où vient son inspiration. En fait, c'est assez symbolisé. Son père était aveugle, donc il manipulait beaucoup d'objets. Et Marc, à mon avis, a gardé cette façon de travailler où il manipule les objets aussi et où il les installe dans son travail. Marc, il est dans ce qu'il vit. Il est avec l'objet, presque en symbiose. Monsieur Laurier Lacroix, Marc et moi, nous nous sommes entendus sur les tableaux qui allaient être montrés à l'exposition. Nous avons 32 œuvres, plus des objets qui étaient chers à Marc. L'idée des scénographes, c'est de montrer cette suite chronologique en forme de spirale. On rentre, on sort et on remonte en haut pour terminer l'exposition. On commence par une peinture expressionniste abstraite pure. On suit l'évolution de son travail, on entre dans la pièce des bois brûlés et puis on monte à l'étage et là vous avez les tableaux un peu de sa maturité qui sont des tableaux plus bleus, plus verts, plus lumineux. Nous sommes très fiers de présenter Marc Garneau, c'est une découverte pour nous. C'est 30 ans de travail entre 1985 et 2015 et nous sommes allés en montrant ce travail d'après ce qu'il avait vécu. C'est un monde très, très, très onirique et très personnel à lui.